n'est pas ici. Inutile. Il est plus humain. Boule à facette, bah c'est triste la référence quoi. Tu me saoules. Oh mais l'autre il est derrière, d'accord. Mais non, mais c'est son tout ça. C'est ce bordel. Bon, c'est chiant. Ah, Chris, il tire depuis tout à l'heure, mais... Thank you.
Le monstre ralenti. Commencer depuis le début. Ouais, rester concentré, c'est bien beau, mais mais non, mais je lui tire dessus là. Pas visible, mon gars. Bon, ça se passe mieux, hein. Ça se passe mieux. Ah putain, j'étais en train de recharger aussi.
Mais merde! Mais merde, il est où? Mais c'est pas possible! Impossible! Je me mets sur. Voilà comment Morgan traite ses amis. J'espère que sa mort sera plus douce que sa vie. Les moyens de dispersion. Le bateau de croisière est équipé d'un UAV. Voilà votre mode de dispersion. Parfait. Maintenant, la marchandise. L'authentique Théabis. Pas de vaccin. Pas encore. Oui, bien sûr. Une petite dose pourrait mettre une ville à feu et à sang. Nous avons fini. Je vais vous laisser. Qui l'eût cru, hein? De vulgaires terroristes recevant l'aide désintéressée de l'honorable commissaire du FBC. Comme vous le voyez, vous allez avoir du mal à vous en sortir cette fois. On dirait que j'ai sous-estimé le BSA, et peut-être même vous. Nous avons trouvé ça dans la zone interdite, près de Terracrigia. Nous l'avons analysé. Vous pouvez le reprendre. Directeur O'Brien, vous comprenez sûrement mon dilemme. Sans la panique de Terracrigia, les masses ignorantes n'auraient pas pris conscience de la menace qui pèse sur le monde. Oui, vous avez peut-être raison. Personne n'a le droit de m'arrêter. Le monde a demandé mon aide. Je fais cela pour son bien. Vous vous mentez à vous-même. Vous l'avez dit, vous qui entrez, laissez toute espérance. Mais je ne suis pas Dante, et vous n'êtes pas Virgile. Morgan Lansdell. Je vous relève sur le champ de vos fonctions de commissaire du FBC. Et je vous arrête aussi pour suspicion de conspiration avec Veltro dans la préparation et l'exécution de la panique de Terracrigia. Avec tout mon respect, directeur O'Brien, le BSA est en train de faire une énorme erreur. J'ai déjà entendu ça quelque part.
Bon, bon, c'est la fin. Oui, c'est bien. On peut enfin révéler la vérité sur Terra Grigia. Ouais, mais on l'a payé cher. Le BSA va devoir être manié. La tempête est passée. Mais pour combien de temps? Et oui, ils arrivent dans le manoir de Spencer. Merci, merci. Oui, là, là, ce que vous voyez à l'image, c'est Chris et Jill, c'est un scénario du 5, en fait. Un mini-scénario du 5. De rien, de rien.
Il y a une scène post-crédit normalement. Ah, par contre, du coup, tu vas pouvoir décider qu'est-ce qu'on fait après. Parce que là, il est encore tôt. Sur quoi on part ? Bon, je comptais y aller. Ah ouais. Oh, salut Mojo Jericho. Ce soir, c'est carte libre. Ok, bon, bah écoute. Bah écoute, si tu vas. Ça va, toi? C'était presque trop facile, hein? La compagnie a laissé Morgane plonger tout seul. Pas de chance. À toi de faire le rapport, cette fois. Et au fait, pourquoi avoir épargné Parker? J'ai mes raisons. Le PSA n'est pas aussi inutile que je le pensais. Les choses pourraient dégénérer. C'est vrai. Le jeu ne fait que commencer.